Oui, mes chers amis et chers frères, mon nom est déjà connu de beaucoup de d'entre vous. Et nous vous saluons tous avec toute l'équipe avec moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Clément Kabombo de Kamabangi vous a aussi salué, fraternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, ne toi pas de ma Kabombo Clément au Kamabangi. Et tous ceux qui sont à Lukonga, à Nganza, à Mdesha, à Katoka, nous recevez nos salutations chaleureuses. Nous le bon sur le bâton, nous bon Lukong, Badi Mundesh, Badi Mukato, Mukomine Wakana, Muntam Saint Bernard, Kuchin Pijing. Nous n'oublions pas ceux qui sont dans le territoire de Kazumba, de Demba, de Liza, de Dimbelenge, de Dibaya, Dibaya, et une partie de Chikapa qui nous suivent en ce moment. Et au-delà du lac Munkamba, nous savons que ce n'est pas pour rien que vous êtes à l'écoute à cet instant. C'est parce que vous avez faim et soif de la vérité. Vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Parce que la vérité, ce n'est que la parole de Dieu. Notre Seigneur l'a exprimé dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a que la parole de la vérité dans laquelle nous pouvons nous sanctifier. Celui qui n'a pas entendu et qui n'a pas cru dans la parole de la vérité, il peut demeurer dans le confinement de son séminaire, de sa maison, de son église, il ne verra jamais le Seigneur. Parce qu'il est écrit dans le livre des Hébreux. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Oui. C'est de notre obligation. Par l'expérience personnelle avec Dieu, d'expérimenter aussi la sanctification agréable à Dieu. Parce que nous voulons aller voir le Seigneur. Parce que l'apôtre Jean a écrit cette parole qui est bien connue de tous. Dans 1 Jean au chapitre 3, à partir du premier verset, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est par amour que Dieu nous a engendrés pour se faire plaisir lui-même. Parce qu'il voulait amener à la gloire beaucoup de fils. C'est pourquoi lui-même il est venu dans un corps semblable à notre corps. Un corps de chair et de sang. Dans lequel nous avions fauté par Abraham. Afin d'accomplir pour
pour nous une grande et précieuse rédemption. En cela, nous disons merci, Seigneur. Merci pour ton grand amour dont tu nous as aimés. En retour, purifie nos corps et remplis nos corps du même amour. Et que par cet amour, nous puissions t'aimer comme tu nous as aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu le nom du Fils de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas en tant que tel, c'est qu'il n'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne serons pas plus enfants de Dieu que ce que nous sommes maintenant. Nous serons toujours enfants de Dieu. Maintenant, quelque chose va se passer. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, Amen. Nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Lors de son retour, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons changés en un instant. Et nous serons semblables à lui extérieurement. Dans un corps glorifié, un corps de résurrection. Amen. Parce que les morts ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ, nous serons changés et ensemble, les morts ressuscités et nous les vivants transmués, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous irons le rencontrer dans les airs. Et l'enlèvement aura lieu comme l'éclair part de l'Orient et arrive en Occident. Selon que le Seigneur lui-même l'avait affirmé dans Matthieu chapitre 24, là il a dit très clairement, au verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance tout ce qui arrive maintenant et tout ce qui arrivera après. Le Seigneur nous l'a annoncé d'avance. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement ou le retour du Fils de l'homme. Amen. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident.
Et ce sera, c'est ainsi que sera le retour de notre bien-aimé Seigneur. Ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul ayant cette la révélation de ce mystère, et il nous rapporte ici au verset 51 et le verset 52, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Jusqu'à ce jour, nous sommes encore dans le corps corruptible. Mais intérieurement, nous sommes enfants de Dieu. Et notre homme intérieur influence notre homme extérieur. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous soumettre aux exigences de la chair. Parce que la volonté de la chair et la volonté de l'esprit se combattent. Et ça ne peut pas s'entendre en aucun seul instant. Parce que c'est Paul qui l'a enseigné. Et dans la réalité, nous avons réalisé que ce qu'il a enseigné est correct et exact. Il dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Celui qui est né de l'esprit ne voudra pas faire ce qu'il lui veut. Tel que notre Seigneur a été engendré par l'esprit, nous sommes engendrés par l'esprit. Étant engendré par l'esprit, il pouvait dire non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et nous tous qui sommes les frères de Jésus, et encore qui attendent le retour du Seigneur, aucun de nous n'a le droit de faire ce qu'il veut. Si dans le naturel, on ne peut juger personne au sujet de ce qu'il peut manger, de ce qu'il peut boire. Comme on l'a enseigné dans Romains chapitre 14, à partir du verset 2 et le verset 3, tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Ça, c'est dans les domaines terrestres, naturels. Mais dans le spirituel, aucun de nous n'a le droit de choisir sa nourriture. Ceux qui appartiennent à l'Église,
ils n'ont qu'à faire la volonté de Jésus-Christ. Parce qu'au sujet de la foi, aujourd'hui les gens disent, chacun peut croire ce qu'il veut. On peut le lui concéder. Mais pour ceux qui appartiennent à l'église véritable de Jésus-Christ, il est écrit dans Ephésiens 4, au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aucun de nous n'a le droit de le changer. Et comme la Bible affirme qu'il y a une seule foi, alors l'apôtre Jude pourra écrire au verset 3, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Oui, c'est la foi qui a été transmise au sein pour toutes. Une foi qui est basée sur les promesses de Dieu. Celle que la Bible définit Abraham comme étant le père de la foi. Dans Romains au chapitre 4, il est devenu le père de ceux des circoncis et le père des incirconcis qui croient. C'est le témoignage de ces écritures que Abraham fut le père de la de circoncis et des incirconcis. Et au verset 16 de Romains chapitre 4, afin que vous puissiez voir là où j'ai cité, c'est le verset 12. Et pour mieux le comprendre, dans le contexte, commencer un peu plus haut, mais je gagne le temps, nous n'avons qu'une cinquantaine de minutes. D'abord, verset 11, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, ils ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham qui était incirconcis. Avant qu'Abraham ne puisse manifester la foi, la promesse lui a été faite, c'est alors que la foi a été manifestée. Mais comment tu peux croire sans promesse? Même si tu te réclames de la Bible, mais il faut que tu comprennes que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. C'est ainsi que nous devons être fondés sur ce qui est écrit. Le Seigneur promis et
est venu pour la première fois pour nous rejeter. Mais il est venu chez les cieux l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3, il dit appelez enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, ils sont devenus enfants de Dieu. Avant d'être appelés enfants de Dieu, il faut que vous le soyez déjà. Et celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. C'est ce que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 8. Lorsqu'il faisait la réponse et la remarque aux pharisiens, et pouvant leur dire, vous avez pour père le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Mais arrivé au verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Celui qui se réclame être chrétien mais qui laisse pas la parole pénétrer dans son cœur, il persécutera, il cherchera à tuer ceux qui ont l'accomplissement de la promesse. Au verset 39, il est dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Oui. On peut bien se réclamer d'un grand homme de Dieu cité dans la Bible, mais si la révélation ne vous est pas donnée de comprendre ce que ce grand homme de Dieu a dit ou a fait, c'est vraiment malheureux pour vous. C'est ainsi que par la prédication, Dieu veut mettre un contact direct avec toi. Lorsque tu crois la parole, l'Esprit de Dieu, le bras du Seigneur te révèle la parole. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Amen. Et arrivé au verset 47, Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu, voilà le problème. Il écoute les paroles de Dieu. Et ici, il était très fort et trop direct. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et quiconque se dit être serviteur de Dieu, il n'expose pas ses pensées ou sa manière de faire. Ce que Jean a dit ici est encore valable aujourd'hui. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oui. Ce
ceux qui avaient écouté le Seigneur, ils ont écouté ce que le Seigneur a envoyé. Et ils ont pris part à ce que Dieu, le Seigneur faisait en leur temps. Tellement qu'il en fit autant d'Israël, lorsque le Seigneur les a visités dans leur captivité ou dans le temps de l'esclavage en Égypte, mais qui les a délivrés en main puissante et à bras étendus. Et le peuple a reconnu Moïse en tant que serviteur et envoyé de Dieu. Et quelque chose se passait encore dans leur marche. Là où Moïse, maintenant, voyant que son temps de quitter s'était rapproché, il nous est relaté dans Nombre au chapitre 27. Là, il est dit ceci. Nombre chapitre 27. Et nous lisons le verset 18. Là, maintenant, il est écrit. Le Seigneur dit à Moïse. Prends Josué, fils de Nun. Homme en qui réside l'esprit. Et tu poseras ta main sur lui. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit l'imposition de main. Tu imposeras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs et les hasards et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Oui. Et dans une autre version, tu les serviras dans le ministère. Oui. Tu les rendras participants de ta dignité. Oui. Et afin que toute l'assemblée d'Israël, l'écoute. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Luc au chapitre 10, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Nous devons toujours prendre garde aux paroles du Seigneur et ne pas les négliger. Amen. Et avoir du sérieux dans les choses de Dieu. Ici, il n'est pas question de jouer à la religion et des activités religieuses. Ici, il est question du salut de ton âme. Ici, il est question de la préparation avant le grand retour de notre Seigneur. Ici, il est question de prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Moïse n'est plus. Il n'y avait qu'un seul Moïse. Josué n'est plus. Et Jésus, le Seigneur est mort, il est ressuscité. Pierre n'est plus. Et Paul n'est plus. Jacques n'est plus. Nous vivons aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas disparu avec les prophètes de l'Ancien Testament. Tous les apôtres sont morts, mais Dieu n'est pas mort. Le Seigneur est mort et il est ressuscité. Et je fais attention à ce que je dis. Dieu n'est pas mort.
Mais le Seigneur était mort à Golgotha. Et Dieu a ressuscité le Seigneur. Ça, c'est la beauté de la Bible. Amen. C'est la beauté du dernier message biblique. Oui. Comme l'homme de Dieu, William Branham disait. Le dernier message, c'est le retour à la Bible. Amen. C'est de retourner au commencement, au jour des apôtres, à l'église qui a été établie à la Pentecôte. Non seulement les confesser des lèvres, mais dans la pratique, dans la réalité. La foi qu'ils avaient est la foi qui nous a été restituée. Ils ont écouté les prédications fondées sur les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. Nous écoutons les prédications fondées sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Pierre nous rappellera en disant dans son deuxième épître, j'ai voulu éveiller votre saine intelligence afin que vous vous souveniez toujours des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de notre Seigneur enseigné par vos apôtres. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Pour les prophètes et les apôtres. Et de ceux qu'il a envoyé son prophète dans cet ange prophétique. Avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et de son vivant. Le prophète lui-même savait que après mon départ, il y aura un homme à qui l'épée sera remis. Et il continuera à porter ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et il a posé ses mains sur lui. Nous vivons la réalité de Dieu. Nous ne sommes pas dans nos affaires, nous sommes dans les affaires de Dieu. Amen. Et dans Deutéronome, au chapitre 34, j'aime toujours revenir là-dessus. Deutéronome 34, au verset 5, Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab. Selon l'ordre du Seigneur. Au verset 7, Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Et sa vigueur ne te peut passer. Dieu peut te prendre même en pleine vigueur. Il peut aussi te prendre quand tu es faible. Mais il est souverain. Mais ici on voit là qu'il était encore plein de vigueur. Verset 9. Josué, fils de Nun, à qui les mains étaient déjà posées, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. J'ai dit que vous pourrez lire dans Hébreux chapitre 3, verset 5.
Que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 8, en verset 7, Moïse fit toutes choses selon les modèles qui lui avaient été montrés sur la montagne. Dieu ne change pas sa manière de faire. Et il est dit au verset 10 de Deutéronome 34, il n'a plus paru à l'Israël de prophète semblable à Moïse. Que le Seigneur connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu lui avait donné lors de son envoi au pays d'Égypte. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé son ange à William Branham le 7 mai 1946, l'ange lui dit, je viens de la présence du Seigneur. Je viens t'expliquer ton ministère. De telle manière, comme Moïse, à deux signes lui avaient été donnés. À toi aussi, deux signes te seront donnés. Le premier signe, avec ta main gauche, tu prendras la main droite du patient. Mais quand il a un même cancer, une maladie, tu lui diras, ne ferme pas les yeux, regarde. S'il a un tumeur, ce tumeur-là se manifestera sur ta main gauche. Et lorsque tu prononceras le « Ainsi dit le Seigneur », la tumeur disparaîtra de ta main. Et dans le corps du patient, cela disparaîtra. Amen. Des milliers de cancéreux ont été guéris par la guérison miraculeuse de Dieu par ce ministère-là. Tu n'avais pas besoin de la chimiothérapie. Mais ça disparaissait parce que Dieu est puissant pour confirmer sa parole. Dans tous les 2000 ans du Nouveau Testament, après l'époque des apôtres, on n'a jamais vu un tel ministère. Et le deuxième signe, tu pourras maintenant discerner les pensées des cœurs des gens. Tu connaîtras leur situation. Et cela s'est produit. Et l'ange lui a donné même le passage de l'écriture. Dans Jean chapitre 1, lorsque Nathanaël était sous le figuier, le Seigneur l'avait vu, il l'avait connu par son nom. Lorsque dans Jean chapitre 4, lorsque la femme prostituée était venue au puits, tout ce qui concernait sa vie lui a été dévoilé. Et dans Jean chapitre 5, dit le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Dieu a permis que ce ministère puisse être révélé dans le ministère du prophète ici à la fin du temps. Comme cela n'a jamais existé sur la terre, c'est le dernier signe. Ainsi que les gens puissent regarder au message qui s'en suivra. Tu ne crois pas à la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du deuxième signe. Ce signe n'est bizarre, ce n'est que pour que nous
Et le message sur le retour à la Bible. Le temps est arrivé pour de vous parler très clairement de ce que Dieu a fait et il est en train de faire maintenant. Moïse a regardé dans le pays de la promesse. Il n'y est pas entré. Mais Josué est entré avec le peuple. Et avant d'entrer avec le peuple dans ce pays, dans Josué chapitre 1er, au verset 11, il est dit, parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. C'est le magasinage, c'est la nourriture. Nous sommes au temps de la distribution de la nourriture qui a été emmagasinée. Mon frère bonhomme n'est plus là. Mais tout ce qu'il a emmagasiné, sur l'ordre du Seigneur, et sur le même ordre du Seigneur, le Franck est en train de le distribuer et nous le distribuons ici. Celui qui est de Dieu croit ce qui est écrit dans la Bible. Jean Matthieu 24, verset 45 à 47. C'est le Seigneur qui répond. Des choses qui doivent arriver avant son retour. Mais dans Matthieu 24, il a tout expliqué, même après l'enlèvement, ce qui viendra et qui sera pendant la tribulation. Mais dans Matthieu chapitre 24, il pouvait dire par exemple ceci au verset 42. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi nous veillons, nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra, mais nous voulons tous être prêts. Et c'est ainsi au verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts? Parce que dans Matthieu 25, il est dit, celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces. Ce ne sont celles qui étaient prêtes, les vierges saintes qui entrèrent dans la salle des noces. Je vous dis aujourd'hui, les diables sages sont attentifs à ce qui est écrit en verset 45, 46 et 47. Quand il croit comme c'est écrit et il ne prend part à cela. Quel est donc le au singulier? Au singulier, il n'y en a pas deux. Serviteur fidèle et prudent. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ces biens. Tout ce qui concerne les desseins de Dieu, il l'a. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu, le Seigneur le lui a donné par grâce parce que c'était déterminé ainsi. Cette parole a été dite il y a 2000 ans derrière nous. Mais le 19 septembre 1976,
Edmonton au Canada. Le Dieu du ciel a parlé d'une voix audible comme vous m'entendez à Eva de Franck. Mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Jusqu'à ce jour-là, l'homme de Dieu lisait Matthieu 24, mais il ne voyait pas que c'est écrit comme ça à son sujet. Celui qui rejette cela, il insulte Dieu. Mais les enfants de la promesse, comme c'est écrit dans Galates au chapitre 4, au verset 28, il est dit ceci nous concernant. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Nous ne disons pas simplement que nous croyons, mais nous croyons les promesses de Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 6 à 8, comme Abraham crut Dieu. Que cela lui fit imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux, qui ont la foi, d'Abraham, croyant dans les promesses, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils ou les païens par la foi, a d'avance annoncé ce message du salut à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Loué soit le nom du Seigneur, parce que la parole promise pour cette heure, révélé par le Saint-Esprit, a été apporté dans le monde entier. Les derniers sont en train de venir. C'est-à-dire que le Seigneur avait mis sur notre cœur d'intituler ces émissions le dernier appel. Alléluia. Après notre génération, il n'y a pas une autre génération. Nous sommes la dernière génération qui verra l'accomplissement, le couronnement de l'œuvre de la rédemption chez les nations. Et Maranatha avait dit, il revient bientôt. Nous vous rappelons, il vient bientôt, tu dois être prêt, je dois être prêt. Nous devons être prêts. Et nous devons laver nos robes dans le sang de l'agneau. Purifier nos cœurs par la parole de la vérité. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Pour tous qui croyaient le dernier message selon les Saintes Écritures, soyez certains que Dieu vous a bénis, Dieu nous a bénis avec vous. Comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, déjà avant la fondation du monde, il nous a élus et il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles
en Christ, oh Dieu du ciel, telle que les bénédictions sur la promesse étaient visibles, permet en ce que les bénédictions dont tu nous as bénis en Christ soient visibles chez tous. Amen. Amen. Et dans Romains au chapitre 9, nous pouvons encore lire ceci, le verset 6 et jusqu'au verset 9, là où il est dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être à la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Bien que tous nous sommes d'Abraham, comme aujourd'hui dit, tous nous sommes du message. Tous nous croyons le ministère de William Branham. Même si on se référait à Val de Franck, vous devez vous référer à ce que l'écriture dit et comme l'écriture le dit. Nous nous sommes reconnaissants pour le ministère de William Branham. Nous sommes reconnaissants au ministère des Val de France. Et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur pour vous qui croyez ce dernier message. Sans interpréter, sans ajouter, sans restreindre. Mais il est dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8 de Romains 9, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Les enfants de la promesse sont regardés comme la postérité. Le Messie Christ était un Messie promis. L'évangile que nous écoutons était un évangile promis. Le Saint-Esprit qui vient couronner le témoignage de notre foi, c'est un esprit promis. Un retour du Seigneur, c'est un retour promis. Amen. Et avant son retour, nous allons expérimenter la pluie de l'arrière-saison promise. Amen. Amen. Nous sommes dans une grande attente. Oui. Et dans Hébreux chapitre 6, nous pouvons encore lire ceci pour encourager tous nos frères croyants. Au verset 13, il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Dieu du ciel, tu n'avais pas simplement donné la promesse à Abraham, mais tu avais aussi juré sur à Abraham. Vous tous, cela c'était pour un but. Au verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Nous sommes les héritiers de la promesse, bien-aimés. Amen. Dieu confirmera sa parole. Amen.
Amen. Il avait promis que le messager marcherait devant sa face. Et quand le temps fut accompli, Jean-Baptiste parut. Amen. Il avait promis qu'avant le jour grand et redoutable, je vous enverrai lui le prophète. Et quand le temps fut accompli, Élie le prophète était sur la scène. Amen. Et depuis le 11 juin 1933, la commission lui a été donnée comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue. Oui. Il sera envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue. Lui, l'homme de Dieu, il pouvait dire à Van de Franck, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Et ce message ira jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en plein de l'accomplissement des promesses et des prophéties de l'Écriture. Oui. À vous tous qui croyez, comme le disent les Écritures, sans restriction, soyez rassurés dans vos cœurs. Oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Là, dans vos maisons, dans l'attitude de prière, avec reconnaissance, il vous baptise de feu et d'esprit. Que les malades soient guéris. Que les suyés soient lavés et purifiés. Les captifs soient délivrés. Croyez que Dieu est avec vous. Amen. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur à côté, tu as besoin du grand Dieu avec toi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Soyez tous consolés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous revoyons sur la même chaîne demain. Et bientôt nous serons dans le rassemblement. Pour que nous puissions louer, chanter ensemble, partager le repas du Seigneur ensemble, exalter Dieu, c'est qu'il achève son œuvre. Que le Seigneur vous accorde au-delà de tout ce que vous pensez et au-delà de tout ce que vous lui avez demandé, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha.